Nous, ça fait 4 ans qu'on vinifie, donc on ne travaille pas sans soufre, sauf sur certaines cuvées en rouge. Soit les vins qu'on élève très longuement, soit les vins qu'on élève très peu. Et en blanc, moi, je ne sais pas encore faire sans sulfite. On apprend petit à petit et on se dirige vers là, mais tout doucement, parce qu'on ne veut pas mettre en péril notre outil de travail. Voilà, on ne fait pas du sans soufre pour faire du sans soufre, on fait du sans soufre pour que ça soit meilleur. Donc voilà, ça prend du temps. Le domaine fait 13 hectares, on a récupéré des vignes qui appartenaient à mon grand-père. Les cépages sont les cépages traditionnels du Bordelais. Donc Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Et en blanc, Sauvignon, Muscadelle, Sémillon. On commence à travailler avec la lune, sur les vins comme sur les sols. On commence à préparer nos propres préparats biodynamiques. Et puis on teste. On expérimente, et puis voilà, mais c'est une démarche sur 10-15 ans, quoi. Donc voilà, on prend notre temps, et surtout, on le fait avec plaisir, quoi. Si c'est une contrainte, ça sert plus à rien, donc on le fait quand ça nous fait, enfin, on le fait parce que ça nous fait plaisir. Donc sachant qu'on stabilise par le temps les vins, et non par des additifs d'origine chimique, voilà, ça prend un peu plus de temps avant que les vins se posent. Donc voilà. Dans la vinification naturelle issue de raisins propres, on retrouve une pureté de fruits, on retrouve des émotions qui sont, voilà, qui sont brutes, qui sont, on est plus proche du grain de raisin. Voilà.